sometime this afternoon. Okay. Thank you. Quilchana Hotel, dans une vallée perdue des montagnes rocheuses en Colombie-Britannique. Voilà un siècle, il aurait suffi qu'en Europe, votre grand-père, ou le mien, soit le cadet d'une famille dont la ferme ne pouvait nourrir qu'un ou deux enfants, et pour lui, et donc pour vous ou moi, ça aurait été l'exil américain. À l'hôtel, propriété d'une famille venue de Savoie aux temps héroïques, ceux de la ruée vers l'or, on utilise bien sûr les produits locaux, mais on n'a jamais oublier l'Europe, d'où on fait d'ailleurs venir chaque année un nouveau cuisinier. Cette année, ce cuisinier est suisse et se nomme Charles Bronniemann. Also, das kommt mir sehr gut, was ich in der Schweiz gelernt habe. Wir tun die klassische französische Küche sicher noch betreiben, aber wir tun auch ein experimentieren mit. La cuisine de Charles Bronniemann est à l'image de la nouvelle vie qu'il est venu chercher ici entre souvenirs de l'Europe et appel du grand large. Quant aux clients, c'est d'abord la nostalgie du siècle dernier qui les attire. Souvenir des premiers pionniers, souvenir de la conquête de l'Ouest. Les 8 chambres datent du début du siècle. Certains des meubles ont fait le voyage depuis la Savoie d'où venaient les 2 frères Guichon. C'était le temps des dernières diligences, du premier chemin de fer, de la ruée vers l'or. Propriétaire d'un ranch de plusieurs milliers de têtes de bétail, Guy Rose est hôtelier par passion et par fidélité au souvenir de son grand-père, savoyard. Quand mon grand-père a acheté la propriété ici, il était un peu un perfectionniste. Il voulait un nouveau hôtel. Il pensait que c'était une place pour les voisins, pour prendre quelque chose à boire, pour visiter, tout ça. C'était vraiment un centre social pour la région. Et il a décidé de construire un nouvel hôtel avec toutes les choses modernes. Là, il commence. Mais c'était juste avant la Première Guerre. Pendant la guerre, les jeunes hommes n'étaient pas ici, ils étaient en Europe, dans l'armée. Et après la guerre, les femmes de l'Est du Canada ont commencé avec prohibition. Pas d'alcool. Pas d'alcool et donc pas de clients. La ruée vers l'or était terminée, le temps des vaches maigres était venu. L'hôtel ferma ses portes et les tombes des premiers pionniers ne se souvinrent plus de leur épopée que dans des villages fantômes. Mais Guy Rose se devait à la mémoire de ses ancêtres et c'est avec l'argent gagné grâce à l'élevage qu'il a pu restaurer et réouvrir l'hôtel. Aujourd'hui, après des années de sécheresse, les pluies sont revenues et avec elles l'herbe et les céréales indispensables à l'élevage. Qui plus est, avec les problèmes de la vache folle en Europe, le bœuf américain des grandes étendues sauvages a repris du galon. Incarné par Mike, le fils de Guy, l'avenir des Savoyards de Quilchana est donc assuré. I just love driving truck. It's right in there with eating bark, but this has got to be done. So I'd rather be poking around on a horse, but this needs doing, so. Dans la plupart des activités de plaine, le moteur a remplacé le cheval, mais Mike n'a pas les mêmes nostalgies que son père. Il vit avec son siècle et de toute manière, il sait que là-haut, dans les montagnes, rien ne pourra jamais remplacer le cheval. Quant à la vieille épicerie, entre le ranch et l'hôtel, elle a désormais de nouveaux clients. Les touristes des grandes villes canadiennes ou américaines, Vancouver, Seattle, qui chaque été viennent ici se rêver un passé de cow-boy. Des cow-boys qui fréquentent eux aussi d'ailleurs l'épicerie, où ils s'approvisionnent en bottes et en chapeaux. No problem. Car le cow-boy n'est pas mort, loin s'en faut.
What, is he coming to stay or what? I think today. Dans les plaines, son cheval a parfois été remplacé par la machine. Et le cow-boy est devenu ouvrier. Mais dans les collines, rien de tout cela. Demain, comme hier, on aura besoin de lui ou d'elle pour pousser les troupeaux. Et c'est bien ainsi.